Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, à l'unanimité, je vais vous parler de couleurs. Et en fait, je vais vous faire une série de courtes vidéos sur la couleur, puisque vous avez adoré les couleurs qui vous parlaient déjà de la symbolique du vert, du rouge et du bleu. Donc, nous allons poursuivre avec quelques couleurs comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler du jaune. C'est une couleur d'actualité, je dirais, puisque en l'occurrence, le jaune est assez représentatif des vacances, je dirais. Alors, il faut savoir que le jaune n'est pas une couleur qui est très appréciée par un grand nombre de gens, puisque seulement 10% des gens, 10,5% des gens aiment la couleur, alors que 16,5% de la population ne l'aime pas. Donc, vous voyez, il y a davantage de gens qui ne l'aiment pas que de gens qui l'aiment. C'est aussi la couleur la plus lumineuse de toutes les couleurs, donc elle peut affecter notre acuité visuelle. Elle permet de bien voir, mais elle fatigue aussi les yeux. Alors, qu'est-ce que le jaune dans la nature? Eh bien, si vous regardez, si vous observez, c'est tout ce qui brille. C'est le soleil, mais c'est aussi tout ce qui chauffe, le beurre, l'huile, le miel, etc. Donc, le jaune va être par essence la couleur de tout ce qui brille, de l'intelligence, du verbe, du bonheur, de la chaleur, de la lumière, de la plénitude, de la réussite. C'est aussi la couleur des vitamines, des calories, des vacances, comme je vous disais, des loisirs. Donc, c'est une couleur qui est gaie, qui est joyeuse. C'est en même temps, je vous ai dit que c'était la couleur de la réussite par tout ce qui brille. C'est pour ça qu'il y avait donc le roi soleil. C'est pour ça aussi qu'on parle de maillot jaune en cyclisme, qui est à nouveau de saison. C'est aussi une couleur qui signifie la compétence, qui montre quelqu'un d'organisé. Maintenant, vous le savez aussi à présent, toutes les couleurs, c'est comme le yin et le yang, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Et le côté négatif du jaune va être l'excès d'intelligence, c'est-à-dire qu'on va tomber dans la personne qui est rusée, qui est critique, qui va donc utiliser son intelligence et son verbe, mais de façon plus négative. Et puis à force de briller, on en devient égoïste, donc il y a une notion d'orgueil. Et puis n'oublions pas qu'il y a une notion de fausseté, puisque c'est pas pour rien qu'on dit des gens qui sont cocus qu'ils sont en jaune. Donc il y a une notion de fausseté également là-dedans. Alors, qu'emporter du jaune? Si vous voulez stimuler votre intellect, si vous voulez faciliter l'ouverture et le contact des gens, parce que c'est une couleur très chaleureuse comme ça, c'est donc aussi la couleur de l'individualité, qui est en relation avec votre détermination, avec votre concentration, avec votre décision, avec votre volonté. Donc le jaune va accroître votre détermination dans ce que vous entreprenez. Ça va aussi favoriser vos capacités intellectuelles. Ça va vous permettre de vous centrer, de vous concentrer, de s'imposer. Et donc ça va vous aider aussi à être mieux vu. Et puis en l'occurrence, comme j'ai dit, ça va vous améliorer la vue. Donc en résumé, portez du jaune pour retrouver, pour faciliter le contact avec autrui, pour favoriser la communication sociale, pour convaincre également de votre compétence, pour être vous-même et accessoirement en termes de chromothérapie, pour fortifier le cerveau et les nerfs. Maintenant, attention, comme je vous l'ai dit, trop de jaune exagère les qualités et peut rendre autoritaire, égoïste, orgueilleux, despotique. Maintenant, si vous n'aimez pas du tout le jaune, si cette couleur vous repousse, eh bien ça signifie que vous refusez de vous exprimer ou de participer à la vie en société, et que vous devez apprendre à vous ouvrir davantage. Voilà, c'était Mademoiselle M qui vous parlait du jaune aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur la symbolique des couleurs, parce que là, je vous ai abordé le jaune de façon très succincte, rendez-vous sur mon site de référence. Je vais vous mettre l'adresse du site internet qui s'appelle première-couleur.com, tout au pluriel. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Montrez-moi que vous l'avez aimée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des couleurs. Au revoir.